Alors mon Johan, c'était comment? C'était froid. Et puis c'était venteux aussi. Ah, et tu vas faire quoi maintenant? J'allais boire une bière. Non. Si, mais avant je vais faire un petit coup d'entraîneur histoire de décontracter la jambe. Ok, bah tranquillement. Décontractons la jambe. Décontractons. Alors. Allez. Bon Johan, tu viens de terminer une séance d'entraînement, pourquoi tu remontes encore sur ton vélo? Parce que la première des réponses c'est qu'il faisait froid, j'ai froid aux pieds, je viens juste d'enlever les chaussures et puis ça permet de me réchauffer. Il ne fait pas une chaleur extraordinaire dans le garage mais il fait 12-13 degrés et c'est déjà mieux que derrière, que dehors. Et voilà, je tourne un peu les jambes parce que comme tu le fais sur les étapes sur le Tour de France, quand tu as terminé une grande séance où tu as mis du braquet, tu as forcé, il faisait froid. Là ça permet vraiment de délasser et de récupérer tranquillement. Tu vas rester combien de temps là à pédaler? En général je fais entre 10 minutes et un quart d'heure en fonction du froid. J'ai juste changé de veste, j'ai mis une veste sèche. J'ai pris ma boisson de récup que je prends tout de suite après l'entraînement. C'est vraiment essentiel et c'est ce qui me permet le lendemain de repartir vraiment frais en ayant fait mon stock de glucides, parce que dans les 30 minutes il faut vraiment se réalimenter et faire ce socle de glucides. Ça dépend de la séance qu'on a faite, mais vraiment ces 15 minutes d'entraîneur c'est vraiment essentiel. Alors si on va au-delà de ces 15 minutes, quelle est ta routine de récupération au-delà de ces 15 minutes vraiment? Est-ce que tu manges quelque chose plus tard? Est-ce que tu fais des étirements? Comment ça se passe? Alors la routine effectivement ça va être ça, ça va être faire 15 minutes d'entraîneur, ça va être de brancher le vélo pour le lendemain parce que la batterie, au moins on est sûr de partir avec une batterie full. Et puis après, bien sûr, ça va être une récupération avec une collation. Du coup, tu veux un petit réconfort, mon Johan? Bah avec plaisir, mon Pierre Max. Tiens, à boire avec modération. Avec modération, toujours.